Il y a des moments où tu montes et ça fait. Je t'aime. Ciao. J'ai croisé par pur hasard mon petit frère dans le métro là. Et à chaque fois que je le vois, je lui répète cette même phrase. Ne laisse personne te dire que tes rêves sont trop grands. C'est un petit peu notre phrase à nous deux, qu'on se répète tout le temps. Et là ce matin, il me l'a dit, du coup prêt à fond pour une monstre belle journée. C'est même plus pour toi. Non, malheureusement pas. Pour aujourd'hui, matinée importante, on va rendre une stratégie marketing auprès d'un de nos clients. C'est une fille du Sierre. Et du coup, on a le dossier imprimé avec toute sa stratégie marketing qui est dedans. On serait joué à fond de voir son retour. Et ensuite, on a lancé hier, comme je l'ai annoncé dans le dernier épisode, la campagne d'air. Avec une vidéo phare, c'est le contenu phare qu'on met en avant sur différentes plateformes, sur Facebook et Instagram surtout. Et après avec d'autres images qui vont suivre dans la foulée, on a lancé hier la campagne. Plusieurs clics pour l'instant, pas encore de conversion, mais du coup je montre la vidéo maintenant. Vous savez, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais tout ce dont on a besoin se trouve déjà autour de nous. Et il suffirait d'un coup de projecteur, une main tendue ou encore un signe comme venu d'ailleurs pour nous guider à y voir plus clair. Choisir la bonne voie n'est pas donné à tout le monde. Et heureusement dans ce monde, il y en a pour qui porter un flambeau est une véritable dévotion. Comme un feu réconfortant, on se laisse guider. La confiance qu'on ressent est bienveillante, comme pris par la main. Une force invisible néanmoins omniprésente nous tire vers l'avant. Je vois enfin, je ne ressens plus cette poussée. J'en ai plus besoin maintenant. J'y vois clair. Et du coup, les pubs qui diffuseront la vidéo vont rediriger sur une site... Sur un site internet. Et les pubs qu'on a fait avec la vidéo vont rediriger sur une page du site web qu'on a créé qui s'appelle Notre Vision. Je la montre maintenant à l'écran. Et en gros, le but de la page, c'est de montrer un petit peu comment est-ce qu'on voit le marketing, comment est-ce que nous on fait les choses, en se mettant à la place vraiment des personnes qui verront la page, qui ont peut-être déjà commis des erreurs dans le monde du marketing. Et le but à la fin, c'est tout simplement d'avoir des calls. On va insérer, je pense, encore dedans l'option email pour laisser l'option email ou téléphone. Mais pour nous, le but vraiment, c'est d'avoir un contact direct. C'est pas de vendre dans un premier temps, c'est vraiment juste de discuter, échanger, inspirer. Et si on arrive à avoir ce contact, on est presque sûr d'ailleurs qu'en fait, on pourra du coup diffuser la petite graine et qu'au moins, on aura un impact auprès de la personne qui nous aura contacté. Et au mieux, on aura du coup un nouveau client pour l'agence. Maintenant, du coup, départ pour aller à Blenay, pour aller voir le client et lui rendre sa strat marketing. Avec les logos dégradés là. Non, c'est un peu. Allez, merci. Et merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Merci pareillement. Le mec. Stratégie rendue, c'est tout bon. Je crois qu'il a bien kiffé, mais c'est. Fatigant, ça a duré 2h30. Il faut tout expliquer. Il faut réussir à transmettre aussi la hype du projet au client, quoi. Mais je crois que c'est bon, mission accomplie. Maintenant, il faut que je bouffe parce que j'ai super faim. Tu veux qu'on mange quoi, mec? On mange là ou bien? Sandwich? Tu veux? Ouais, on mange là, non? Vas-y. Ça te dit? Ouais. Ok, go pour un sandwich. Moi, je prends un poulet curry, s'il vous plaît. Poulet curry? Ouais. Oui. Merci, madame. Un café? Non, merci, c'est gentil. À la fin, il faudrait qu'ils se disent, putain, c'est ouf, quoi. Tu sais, ça, en fait, ça devrait être plus un pitch qu'une fraise. Mais... Allez, petite pause lunch faite. Maintenant, retour au bureau. Éclaté, mec. Allez.
Ciao, ciao. C'était qui, mec? Un mec qui brille les as, mec. Sérieux? Ouais, c'est cool. Mais il fait quoi? C'est... En fait, j'arrivais pas à parler en même temps que tu parlais. Bonne nouvelle, après même pas... On a lancé quand? C'était même pas 24 heures, c'était hier fin de journée. Donc il y a, après même pas 20 heures de lancement de la campagne qu'on a fait, on a déjà un premier téléphone, une personne qui a appelé. J'étais en faune avant donc j'ai pas réussi à répondre, mais du coup on verra ce qu'il veut. Un certain Pierre-Alain. Oui, bonjour, c'est Logan à l'appareil. Monsieur Logan, bonjour. Comment ça va? Mais écoutez, ça va pas mal et vous? Très bien, merci. J'ai une question très simple et rapide. Est-ce qu'on peut se dire tu? Pas de soucis, c'est top. Cool. Genre, cash direct, c'est top. Exact, plus amical comme ça. Exactement, l'agence marketing la plus audacieuse de Suisse. Exactement. C'est top. En tout cas, franchement, c'est. Ouais, c'est porteur et ça me donne envie parce qu'en fait, je t'explique. Pareil, je me réjouis à fond. On se tient encore d'ici là. Ça marche. Ciao Pierre-Alain. Ciao, ciao. Toi aussi. Ciao, ciao, bon week-end. Bon, premier call. Pour l'instant, on verra. J'ai un call avec lui par visio la semaine prochaine, mercredi 31 mars. Et on verra. To be continued. On verra si ça va le faire ou pas. Mais en tout cas, c'est super bon signe de se dire qu'après même pas 20 heures de lancement de la campagne, on a déjà un lead, on a déjà un prospect. C'est bon signe. Là, ce qu'on va faire, maintenant, on va se donner environ une petite demi-heure pour brainstormer. On veut essayer de trouver une façon de prospecter en ciblé. En basant un petit peu sur une sorte de challenge créatif pour créer du contenu, que ce soit photo ou vidéo, pour en fait attirer un petit peu le regard sur l'agence auprès de plus grosses structures, de plus grosses boîtes. Du coup maintenant, brainstorming, et on va prendre l'air, on ira dehors. Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, don't stop, keep going, I got this mantra in my head, it make me keep flowing, pull shots, keep pulling, Logan? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler suite à une petite pub que j'ai vue concernant votre société. Oui, excellent, cool, super que vous l'ayez vue. Elle vous a parlé? Oui, tout à fait. Tant mieux alors, chouette. J'ai une question toute bête, toute simple. Est-ce qu'on peut se dire tu? Ça joue pour vous? Bien sûr. C'est un poil plus amical, c'est plus agréable. Pas de problème. Cool, excellent alors. Une vraie visibilité de faire quelques clips promotionnels pour les différentes prestations qu'on propose. Ouais. Ok. Extra. Ça marche. Cool. Hey, super encore, merci beaucoup. Passe un bon week-end alors. Ciao, ciao. Deuxième téléphone, deux leads en moins de 24 heures. Putain, les gars. Deuxième lead, mec. Je te jure, deuxième lead, mec. Brainstorming terminé, c'est cool, ça a été efficace, on a bien bien réfléchi au concept. Le but est très simple, c'est de relancer des challenges créatifs qu'on fera sur les réseaux. En gros, on avait fait ça à l'époque, j'avais fait une vidéo pour vous montrer ça aussi. À l'époque, on avait fait pour une montre, on avait 4 heures chrono pour faire une photo aussi pro que possible avec les moyens qu'on avait sous la main et avec seulement 100 francs de budget. Et là, c'est un peu similaire comme concept, mais c'est de le faire sur 24 heures. C'est de se dire, chaque semaine, on va définir une journée avec la team ou une partie de la team où on aura en fait 24 heures chrono pour faire un contenu créatif, un contenu vidéo, un contenu photo et le mettre sur les réseaux pour montrer un petit peu aux gens notre côté créatif, notre côté compétence aussi. Donc on verra, on a eu des bonnes idées, plusieurs pistes. Je vais documenter un petit peu cette création aussi sur les vlogs. C'est cool, c'est cool. Ça a été une bonne semaine. Une bonne semaine qui se termine bien. Elle a mal commencé, clairement, avec cette mauvaise nouvelle qui est tombée. Mais on a réussi à, malgré ça, continuer, mettre un pied devant l'autre. Et je pense que c'est clairement ça la vie. Il y a forcément des choses qui iront pas, des hauts, des bas. Et peu importe ce qui se passe dans la vie, le plus important, c'est de toujours, toujours avancer. Voilà ce qui résume cette vidéo. On se retrouve mercredi soir pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.